Alors bonjour à toutes et tous. Bonjour. C'est toujours un plaisir de se retrouver, surtout quand il fait soleil comme ça, puis qu'on est à quelques jours seulement du printemps. C'est encourageant. Et on est déjà rendu au troisième dimanche du carême aujourd'hui. Et dans l'Évangile, c'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Alors c'est un très beau passage, ça. Où il lui demande de l'eau pour boire, et puis dans le dialogue qui se fait entre les deux, Jésus va lui offrir l'eau vive qui fait vivre jusqu'en éternité. Alors on essaiera de voir quel est le message pour nous là-dedans, puis c'est le thème en fait de la célébration, l'eau vive éternelle donnée par le Christ. Quoi? Comment? Pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'est au juste? Comment ça opère, ça? Et pourquoi a-t-on besoin de l'eau vive éternelle? Et puis, aujourd'hui, on fait mémoire de Saint Patrice, l'apôtre de l'Irlande, dont la fête va être vendredi le 17. Alors, Saint Patrice, qui a vécu au 5e siècle, et puis auquel est associé le trèfle à trois feuilles, qu'on voit beaucoup dans les défilés de la Saint-Patrice, et puis dans aussi la représentation culturelle irlandaise. Alors peut-être juste un petit rappel, pourquoi le trèfle est si important par rapport à Saint-Patrice, c'est que c'est avec le trèfle qu'il expliquait le mystère de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors les trois morceaux du trèfle, c'était vraiment quelque chose qu'il utilisait pour expliquer les choses. Alors bonne célébration à tous et toutes. Le premier chant ce matin, c'est numéro 6, ça page 57. À toi seul la gloire et la victoire, c'est le bleu cantique des anges dans les cieux, c'est l'hymne éperdue de la terre émue, voix qui s'élève de tout cœur pieux. À toi seul la gloire et la victoire, dans notre faiblesse, prosternée devant toi. Nous te disons, Père, sois notre lumière, c'est par ta grâce que vit notre foi. À toi seul la gloire et la victoire, aux nuits les plus sombres, tu saisis notre main, tu brises nos chaînes et calmes nos peines, veille à toute heure sur nos lendemains. À toi seul la gloire et la victoire, tous nos cœurs disent ton pur et grand amour. Sois notre assurance et notre espérance, sois notre vie jusqu'au dernier jour. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sens le Seigneur les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrets. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu.
et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Si vous voulez maintenant aller à la page 15, on va faire la prière pour le troisième dimanche du carême. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ô Dieu, prends pitié de ceux qui se convertissent à ton amour et rends-nous dignes de ta miséricorde par ton esprit. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Du livre de l'Exode. Les fils d'Israël campaient dans le désert Rephidim, et le peuple avait soif. Ils récriminaient contre Moïse. Pourquoi nous as-tu fait bondir d'Égypte? Et qu'est-ce pour que nous fassions mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va faire de ce peuple? Encore un peu. Il me l'appelait la pire. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant eux, amène avec toi plusieurs de tes anciens d'Israël. Prends le bâton avec lequel tu as frappé les Nils et va. Moi, je serai devant toi, sur le rocher du mont Hérode. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sur les yeux des anciens d'Israël. Donne à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire défi, et Meriba, c'est-à-dire accusation. Parce que les fils d'Israël avaient accusé le Seigneur, parce qu'il avait mis au défi en disant, le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n'y est-il pas? Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ensemble. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce pour nos hymnes de fête, acclamons-le ensemble. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Ensemble, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Ensemble, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis.
Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le sauveur du monde, Seigneur, c'est toi. Donne-nous de l'eau vive et nous n'aurons plus soif. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, là où se trouve le puits de Jacob. Jésus était fatigué par la route, il s'est assis au bord du puits. Il était environ midi. Arrive alors une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis en ville acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne veulent rien savoir des Samaritains. Alors Jésus lui répondit, « Ah, si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alors il répondit, « Seigneur, mais tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Avec quoi vas-tu prendre l'eau vive? Serais-tu donc plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau boira encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je donne n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je donne deviendra en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. » Alors la femme répondit, « Mais alors, Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici, puiser. » Alors Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Alors Jésus reprit, « Ah oui, tu as bien raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu cinq. Et celui avec lequel tu es maintenant n'est même pas ton mari. Ah oui, là tu dis vrai. » Alors la femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Alors explique-moi donc, nos pères qui ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut aller adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Ah, femme, crois-moi, l'heure vient. Vous n'aurez plus à aller ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit
et en vérité. Tels sont les vrais adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Alors la femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je le suis. » Là-dessus, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir en train de parler à une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que demandes-tu ?» ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint en ville et dit aux gens, « Venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et se dirigeaient vers Jésus. Pendant ce temps-là, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais lui répondit, « Moi, j'ai de quoi manger, car ma nourriture, vous ne la connaissez pas. » Les disciples se demandaient, « Mais quelqu'un lui aurait-il donc apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson. Et moi, je vous dis, levez les yeux, regardez les champs qui se dorent pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle. Si bien que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Il est bien vrai le proverbe. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas pris de peine. D'autres ont pris de la peine et vous, vous profitez de leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui avait rendu ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux, et il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Et ils disaient à la femme, « C'est pas à cause de toi, à cause que tu nous as dit, que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes. » Et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je rappelle le thème de cette célébration du 3e dimanche de Carême. L'eau vive éternelle que le Christ donne, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça opère et pourquoi est-ce important que nous ayons cette eau vive? Alors d'abord, le quoi? Ben, le quoi, c'est très simple, là, c'est que de l'eau, ça nous en prend pour vivre. Et si on en manque d'eau, on meurt. Alors, on le voit dans la première lecture là, qu'on a entendue dans le livre de l'Exode, le chapitre 17. Alors, ça parle de la traversée du désert par les Israélites après avoir été libérés d'Égypte. Alors, ils traversent le désert, il fait chaud, naturellement, on manque d'eau, et ils se mettent à récriminer contre Moïse et contre Dieu parce qu'ils avaient soif. Exode, chapitre 17, le verset 3. Alors, Dieu les a écoutés, il a eu pitié d'eux et il les a sauvés de la mort. Il a dit à Moïse, « Prends ton bâton, frappe le rocher de l'Horeb et de l'eau va en sortir pour étancher leur soif. » Exode 17, verset 6. Et nous qui sommes après ces événements-là, on peut voir là-dedans une espèce de préfiguration du Christ, médiateur entre nous et Dieu, qui est en quelque sorte le rocher du salut, d'où coule l'eau vive dont notre âme a besoin.
Alors cette image-là, on la retrouve chez le prophète Isaïe au chapitre 12, le verset 3. Alors voilà donc le quoi. Le quoi qui est passé de s'abreuver à un premier niveau, au niveau physiologique, à s'abreuver à un niveau plus élevé, qui est de recevoir l'eau vive qui vient de Dieu, qui nourrit nos âmes, et de le faire avec l'aide du Christ, qui est médiateur entre Dieu et nous. Maintenant, comment ça se fait, ça? Bien, ça se fait, selon saint Paul, dans la deuxième lecture, sa lettre aux Romains, le chapitre 5, ça se fait par sa mort-résurrection. En mourant sur la croix, hein, le sacrifice du Christ qui a été si agréable à Dieu et qui l'a ressuscité des morts, quand il a eu accès à Dieu, bon, étant monté au ciel, il nous a donné, par ses mérites, accès à la grâce, qui est l'amour de Dieu. Alors ça, saint Paul, Romains 5, les versets 2 et 5. Alors, cette eau spirituelle, en quelque sorte, là, la grâce. Alors, saint Paul nous dit qu'elle est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le verset 5, chapitre 5. Et, dans le fond, c'est ça que Jésus révèle à la Samaritaine dans l'Évangile de ce matin, tiré de saint Jean, avec les termes « d'eau vive éternelle ». Saint Jean, chapitre 4, verset 14. D'ailleurs, le lien entre le Saint-Esprit qui nous donne la grâce, hein, et qui fait circuler en nous l'amour de Dieu, bien, est repris par Jésus dans l'Évangile, le verset 23 de Jean 4. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Alors, on voit que c'est fondamentalement une expérience spirituelle. Et profitons du carême qui nous est donné pour nous libérer de ce qui fait obstacle à la circulation de l'eau vive en nous. Alors, l'envie, notamment, hein, qui nous prédispose à la collusion et à la corruption, on en a déjà parlé de ça. La collusion qui est de laisser quelqu'un faire le mal. Parce qu'on n'intervient pas, soit qu'on y trouve notre intérêt ou qu'on a peur de le faire, et la collusion et la corruption qui est de bénéficier des fruits du mal, finalement, que quelqu'un fait. Alors l'envie nous prédispose à ça. Ce qu'on appelle en anglais des greeders, c'est des gens qui veulent mettre la main sur des bénéfices. Et également, les préjugés sont des obstacles à la circulation de l'eau vive éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils nous font rejeter des gens à cause de leur couleur de peau ou à cause de leur culture. Et ça crée un climat qui n'est pas un climat d'amour. Si Dieu est amour, l'eau vive qui est finalement la grâce qui coule en nous, mais si on crée des conditions de non-amour, c'est certain qu'on fait comme un blocage à l'amour de Dieu. Et on voit Jésus dominer ça, parce que dans son dialogue avec la Samaritaine, on voit qu'il la connaissait, l'histoire de la Samaritaine. Quand il lui dit, ben, viens donc avec ton mari, elle dit, oh, ben, des maris, un mari, j'en ai pas. Il a dit, ben, je comprends, j'en ai eu cinq, puis là, celui qui est avec toi, c'est même pas ton mari. Alors, on voit que Jésus aurait pu, finalement, vivre un préjugé par rapport à ça, et puis s'éloigner de la Samaritaine, mais non, il s'approche d'elle, quand même, il dépasse ça. Même que elle est un peu désorientée au début là-dedans. Elle ne comprend pas trop ce qui se passe. D'ailleurs, Jésus, qui est un juif, ne serait pas supposé de lui parler.
parce que les Juifs lèvent le nez sur les Samaritains. Ils ne veulent pas du tout leur parler, s'approcher d'eux. Mais l'échange dépasse ça, hein, emmène les choses plus loin. Parce que en parlant avec Jésus, la Samaritaine connecte avec sa souffrance, avec la souffrance qu'elle porte d'être exclue socialement. Les Samaritains ont souffert cette exclusion sociale. Et la Samaritaine en souffre également. Et c'est là que Jésus la saisit. Parce que si vous parlez à quelqu'un qui vit de l'exclusion et qui en souffre, et que vous êtes en train d'emmener le débat au niveau de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de nos frères et sœurs, c'est certain que la personne ressent quelque chose. Et la Samaritaine est très touchée. Alors pourquoi l'ouvrir est-elle importante? Bien, c'est que ça nous apporte, comme on l'a dit tantôt, la grâce de Dieu. Et ça nous libère. Ça a libéré la Samaritaine d'être aimée par Jésus, d'être mise en contact avec l'amour de Dieu à travers Jésus. Et la libération qu'elle ressent, c'est de se sentir digne de nouveau comme personne. Elle n'était pas la Samaritaine, l'exclue, la femme à Saint-Marie. Jésus lui a redonné sa dignité de base. Et ça, tous les humains le veulent. C'est pour ça, quand elle est retournée dans son village, Saint Jean chapitre 4, les versets 39 à 40, elle influence tout le monde. Parce que retrouver la dignité, ça goûte tellement bon que c'est communicatif. Hein? Jésus, quand il va dans ce village-là, il apporte le don de Dieu à tout ce monde-là. Alors donc, nous, soyons prêts à suivre Jésus pour prendre des risques comme ça, en vue de la vie abondante, à ouvrir des possibilités aux autres et à faire couler en eux l'eau vive, qui est la grâce, le don de Dieu, l'eau spirituelle de l'amour de Dieu. Alors je termine avec une prière. Seigneur, je suis moi aussi comme cette Samaritaine. J'étanche ma soif avec le plaisir et les biens matériels. J'en viens même à t'ignorer, à te méconnaître et même à t'oublier. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, tu nous amènes à l'eau vive que Dieu donne par toi. Sa grâce puisse-t-elle jaillir en moi jusqu'en vie éternelle. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va faire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est le puissant de tendresse et miséricorde de Dieu.
demandant qu'une certaine personne se rejoigne des besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Puis on prend aux malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Jessica Courville, Jules Champagne, Paulette Asselin, Jean-Robert Cournier, Gilda Dionne, Aurélie Dionne, Brigitte Dionne des familles, Renard et Jean Albert, Anne Gauthier, André Cartier, Bertrand Dionne. Le clergé est ici. Puis on pourrait avoir un relève ici dans notre Gatineau et ailleurs dans l'église. Puis on vient l'église contre grandir sur la communauté. Et aussi que Dieu prend sous sa protection les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons notre attention personnelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton hôtel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Car en ce saint temps, la croix du Sauveur, sur laquelle la dette du monde a été payée, brille et rayonne sur l'univers entier. Ô croix, sur laquelle le Sauveur fut victorieux, arbre précieux et éclatant de gloire, qui a porté dans tes bras le Prince de la paix. C'est à lui que, dans notre reconnaissance et notre humilité, nous offrons nos cœurs et nous chantons avec tous les cœurs célestes. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ô Seigneur, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifie cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez ceci, et la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement aujourd'hui, Saint Patrice, apôtre de l'Irlande, et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palmyra. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce, par lui, avec lui et en lui. Honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps, car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion.
Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. De notre Seigneur Jésus-Christ, le garde pour la vie éternelle. Soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 45A.
au milieu des grandes et petites cités. Vivent les gens sauvés par le Seigneur. C'est pour tous que Jésus est mort crucifié et nos fautes nous sont pardonnées. Qui le dira dans les rues de la cité? Qui dira son amour à ses enfants? Qui va donner sa grâce en partage aux humains et apporter l'espoir dans la foi? Qu'il s'en vienne vers moi, qu'il s'en vienne uni en communauté par le lien de l'esprit rayonnant d'espoir. Jésus marche avec les gens de la cité, il les appelle tous à croire en lui, et quel que soit le quartier où il réside, il leur dit de venir à la fête. Allons-nous envers les gens de la cité, du désert, de la montagne ou des plaines. Accueillons les enfants et sœurs de Jésus-Christ, proclamant la venue du royaume. Oh, qu'il s'en vienne vers moi, qu'il s'en vienne uni en communauté par le lien de l'esprit rayonnant d'espoir. On viendra des métropoles et des hameaux, quittant indifférence et désespoir. Le Christ nous fait tous sortir de notre souffrance par le partage de sa parole. Il nous a mis à son service dans la foi et nous traite en amis par son amour. Alors que l'on soit entre nous des frères et sœurs établis en famille sur le Christ, qu'il s'en vienne vers moi, qu'il s'en vienne uni en communauté par le lien de l'esprit rayonnant d'espoir, parfois en Christ, qu'il s'en vienne. Alors, bonne semaine à tous. Bonne semaine.